Et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve en cette journée assez pluvieuse pour partager avec vous un tuto. Il s'agit de la réalisation de capsules altérées. Donc j'ai fait celle-ci juste avant la vidéo et je vais vous montrer comment je réalise cette capsule sans glossy accent. Ça n'a pas le même rendu que une capsule altérée vraiment faite avec du glossy accent, mais ça peut toujours un petit peu compenser et faire quelque chose de sympa au niveau d'embellissement que vous auriez envie de réaliser. Donc moi j'ai vraiment apprécié la réaliser et on va faire tout ça ensemble. Pour ce faire, vous aurez besoin de capsules, vous aurez besoin de décoration en forme de rond comme ça. Donc moi je vous ai sorti deux exemples, on va en faire deux ensemble. Ça c'est une planche que j'ai téléchargée sur Pinterest et que j'ai imprimée sur du papier canson assez épais. Le mieux c'est d'utiliser quand même voilà, un papier qui est assez épais. Mais je vais vous montrer qu'on peut le réaliser aussi avec des stickers comme ça par exemple. Donc pour vous donner la taille de mes ronds ils font 3 cm de diamètre. Voilà, donc là c'est un sticker que j'avais reçu dans une loaded enveloppe et là donc on a des ronds que j'ai imprimé, enfin une planche de ronds spéciale pour capsule altérée. Si vous tapez planche imprimable pour capsule altérée sur Pinterest, vous aurez plein de planches à imprimer. Vous aurez, si vous le souhaitez, besoin de petites décorations comme ça. Donc voilà, moi j'ai pris des petits cœurs, vous pouvez aussi prendre des petits ronds, des petits demi-perles, des strass, bref, un petit peu tout ce que vous avez envie. Et vous aurez besoin de vernis. Le mieux c'est de vernis transparent, je n'en ai pas, donc j'ai pris du vernis beige comme ça. Mais après, à vous de voir. Et enfin, vous aurez besoin d'une pince à bijoux comme ça ou une pince de travaux et de votre Big Shot ou de votre machine à découpe. Je vais venir tout d'abord prendre ma capsule et je vais venir commencer à aplatir le contour, donc en pinçant avec ma pince comme ça, pour vraiment venir aplatir en fait le contour de ma capsule. Et une fois que vous avez un rendu à peu près comme ça, voilà, donc vous avez quelque chose d'assez plat. Vous allez venir prendre votre machine de découpe. Il faut protéger en fait votre machine parce que la capsule elle est assez coupante. Donc moi ce que je fais c'est que je mets ma capsule qui regarde vers le bas comme ça. Je prends un morceau de carton assez épais et je viens mettre la planche qui est censée rester sans trace de découpe sur le dessus et je viens passer le tout dans ma machine. C'est du métal qui est assez facile à travailler, donc c'est pas trop difficile à passer dans la machine. Vous allez voir, en un passage ou deux, on sera plutôt bien. Moi j'en fais deux, comme ça je sais qu'elle est bien aplatie, mais deux ça suffit largement. Et vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. Donc ça peut arriver que la capsule soit pas tout à fait ronde, là moi c'est le cas. C'est pas très très grave, vous allez voir, on va venir travailler tout ça et décorer le tout. Ça se verra pas à la fin. Je vais utiliser le dos de la capsule, cette partie-là qui est vraiment pas jolie. Et je vais venir la recouvrir. Alors, dans un premier temps, je vais venir mettre un petit peu de vernis sur le contour de ma capsule pour la rendre un petit peu plus brillante. Donc je fais ça comme il faut. Histoire vraiment que le contour de la capsule, qui peut être assez terne, soit plutôt brillant. Pendant que ça sèche, je vais venir découper le petit rond que j'ai sélectionné pour mettre sur ma capsule. Si vous avez une perforatrice en forme de rond de la bonne taille, donc 3 cm de diamètre, c'est parfait puisque vous pourrez du coup utiliser n'importe quel papier que vous aimez pour faire vos capsules altérées. Et d'ailleurs, vous pouvez découper dans n'importe quel papier que vous appréciez des ronds de 3 cm de diamètre. Je vais venir recouvrir mon papier de vernis
pour faire briller le tout. Donc vu que moi mon vernis n'est pas blanc, n'est pas transparent mais un peu beige, ça donne un effet encore plus vintage en fait à la capsule. On peut voir que voilà, ça teint un petit peu le papier, mais c'est pas très grave, j'ai choisi des papiers qui étaient assez vintage, donc ça rend plutôt pas mal. Et tant que mon vernis n'est pas sec, je vais venir y coller dessus un petit cœur comme ça. Donc là j'ai choisi un violet, si vous voulez rajouter une petite... une petite fleur par exemple, ou des strass en plus, vous pouvez. Et on va venir laisser sécher le tout. C'est vraiment important que tout ça sèche. Pendant que ça sèche, on va venir faire la suite. On va venir en faire une seconde. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu une seconde fois le processus. Donc je viens aplatir bien comme il faut ma capsule avec ma pince. Je fais ça le mieux possible. Plus vous aplatirez et moins il y aura de risque que ça fasse un petit peu des défauts comme sur la première au niveau du cercle. Plus vous allez vraiment travailler à aplatir le métal et mieux ça sera au niveau du rendu final. Et donc comme promis, je vais faire un essai avec le stickers. Donc mon sticker, je vais essayer de le positionner comme ça. Hop. Et donc je n'oublie pas de venir mettre un coup de vernis. Le vernis, ça donne vraiment un effet de volume et c'est ça qu'on veut au niveau de la capsule. Hop. Je vais venir découper un autre rond. Et donc comme l'autre, je viens mettre un petit peu de vernis. Vous connaissez la rengaine. On va venir assembler cette capsule là qui est quasiment sèche. Et donc pour pas trop qu'on voie en fait le petit défaut qu'il y a sur la capsule, je viens vraiment mettre mon cœur au bord, comme ça il aura vraiment eh bien, l'espace pour cacher un peu le défaut. Hop, je viens faire chauffer mon pistolet à colle et je vais venir coller mon petit rond altéré sur mon petit rond sur ma capsule. Maintenant que c'est bien sec, hop, j'ai pris ma colle et je vais venir coller le rond sur la capsule comme ceci avec de la colle chaude et on va venir utiliser un livre assez lourd pour aplatir le tout, donc c'est bien important que le vernis soit totalement sec avant d'appuyer et de venir coller pour vraiment pouvoir utiliser un livre et que ça décolle pas tout le vernis. Si vous avez peur, vous n'hésitez pas à mettre un petit plastique transparent ou quelque chose entre les deux pour éviter toute catastrophe, n'est-ce pas? Mais le mieux, c'est de vraiment attendre que tout soit bien sec avant de venir assembler le tout. Et donc voilà pour ces petites capsules altérées. Plus vous allez aplatir avec votre machine à découpe la capsule, moins il y aura de volume entre les deux.
Et si jamais, évidemment, vous avez du glossy accent, n'hésitez pas à utiliser du glossy accent pour faire un effet bombé sur la capsule et donc que ça rende encore mieux. Voilà pour le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est réutiliser un petit peu de vernis humide une fois que tout est bien collé. Et je viens tremper dans des paillettes pour vraiment rajouter un effet brillant sur le contour. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai pris un petit récipient, j'ai mis des paillettes. Mais je viens du coup remettre un petit peu de vernis sur le contour de ma capsule. Encore une fois, pour faire ça, assurez-vous que votre capsule en entière est bien sèche pour éviter d'en mettre partout. Donc moi, j'attendrai quelques heures avant que ça soit vraiment sec partout pour le faire. Et je viens du coup mettre des paillettes sur le contour. Et voilà le résultat, on a des paillettes sur le contour. Je trouve que ça donne un effet encore plus sympa au projet. Après, à voir en fonction du look de vos capsules. Celles-là, elles sont beaucoup plus vintage, je vais pas m'amuser à mettre des paillettes. Mais là, sur lui, je trouve ça sympa. Vous pouvez rajouter au dos de la capsule des petits feuillages qui sortent et donner cet effet un peu sympa au projet. Donc voilà, sur un emballage de découpe par exemple, ça peut donner très très sympa. Moi j'aime beaucoup en rajouter sur mes emballages. Je trouve que c'est un petit plus qui fait toute la différence quand on envoie un petit colis avec un emballage décoré comme ça. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très bientôt.